Alors, pour la suite, nous avons une magnifique danse Ori Tahiti, effectuée par Tamatea Ondi Colberry. Ensuite, détente et étirement avec la magnifique Marouya Vituli. Un interview de Sylvain Petit et une composition d'un musicien et ami qui est voisin, monsieur Laurent Fressange, à la guitare. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue à tous, je m'appelle Marouya. Nous allons faire quelques petits exercices pour venir détendre le corps. Donc, vous pouvez les effectuer assis sur une chaise. Redressez votre dos et votre tête. Nous allons commencer par la tête. Inspire. Expire, baisse la tête en avant. Inspire, reviens. Expire en arrière. Inspire, expire en avant, inspire, expire en arrière. On revient au centre, maintenant on va aller sur le côté, inspire, expire sur le côté, inspire, expire. On revient au centre. Maintenant, on va faire des cercles avec sa tête. Baisse la tête. Inspire. En douceur. Et on revient doucement. Expire. Inspire. Et expire. On va aller dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. On va bien maintenant tendre ses bras, on étire les doigts. Et là, on va faire un mouvement des doigts. Voilà. On va étirer ses doigts et ramener. Voilà. On libère les tensions qui sont au niveau des articulations. On va faire des cercles maintenant avec ses mains. Et dans l'autre sens. Ok, ramenez vos mains aux épaules. Maintenant, on va faire des cercles. Avec vos coudes, on respire. Et dans l'autre sens. Sur
Super, on revient. Maintenant, on va venir étirer le bras, ramène le coude là-haut. Et on vient étirer vers l'arrière. On redresse le dos, la tête. Là, on sent l'étirement du bras. Respire. Et maintenant, on va étirer de l'autre côté. Ramène ton coude, redresse le dos, la tête. Et on sent l'étirement du bras. On respire. Ok, on va venir écarter maintenant sur le côté pour venir étirer les pectoraux. Voilà, et les bras vers l'arrière. Alors, on sent l'étirement des bras là. Et reviens. Maintenant, on va venir lever les épaules. C'est parti, lève les épaules. Et relâche. Avec la bouche. Inspire. Expire. Relâche les épaules. Inspire. Expire. Ok, on va bouger la tête sur le côté. Et on va venir mettre sa main pour étirer un peu plus la nuque. On respire, on sent l'étirement là de la nuque. Et reviens. Détends. On va changer de côté. Pose la tête sur le côté, on va venir accompagner avec sa main et relâche l'épaule. On respire. Et reviens, détends, relaxe. On va faire maintenant un exercice du visage pour venir détendre les muscles du visage. C'est parti, on va faire la posture du lion. Allez, c'est parti, on va tirer la langue. Bah, bah. Bah, bah, bah. Voilà, tirez la langue. Ah, bah. Cet exercice qui est très bon pour détendre les muscles faciaux et en même temps pour redonner la pêche. Je vous remercie, je vous dis à plus tard. Spécialiste du tourisme international et surtout responsable pédagogique de la licence professionnelle hôtellerie-tourisme ici à l'Université de la Polynésie française. Alors, le tourisme, il faut savoir que c'est le principal secteur économique pour la Polynésie française. En effet, après les transferts de l'État français qui représentent environ 23% du PIB polynésien, eh bien, le tourisme, c'est la principale source de recettes pour le pays. Ça représente environ 42% des recettes de la Polynésie. À titre de comparaison, en 2018, le tourisme a rapporté 65 milliards de francs pacifiques. Alors que le secteur suivant, en termes de performance à l'exportation, la perle, lui, n'a rapporté que 5 milliards de francs pacifiques en 2019. Donc 65 milliards tourisme, 5 milliards la perle. On estime que le tourisme représente environ 17% des emplois en Polynésie française et contribue à peu près d'une manière équivalente au chiffre d'affaires global. Ce chiffre est certainement plus élevé si on prend en compte tout ce qu'on appelle les effets directs, indirects, les effets induits. Ce qui veut dire plus ou moins que le tourisme est un secteur d'activité qui est très relié à d'autres secteurs de l'économie. Alors, pour comprendre le tourisme en Polynésie française, d'un point de vue notamment économique, il faut aborder quatre points. Premier point, le poids du tourisme dans l'économie n'est pas élevé que en Polynésie française. Au niveau mondial, c'est le premier secteur de services en termes de recettes. Et à l'échelle globale, c'est le troisième secteur après les produits chimiques et le pétrole. Il représente ce secteur environ 10% du PIB mondial et des emplois mondiaux dans certaines destinations insulaires. Par exemple, l'île Maurice, ce poids peut être supérieur à 40%. Deuxièmement, la Polynésie française, c'est une petite destination, voire une très petite destination. En 2019, nous avons accueilli un peu moins de 240 000 touristes. C'est un peu moins d'un touriste par habitant. À titre de comparaison, à Hawaï, on est à 7 millions de touristes pour 1,4 million d'habitants. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle.
On est très loin d'un phénomène de tourisme de masse. Nous avons actuellement une capacité de 4200 chambres disponibles par jour, en moyenne, si on prend l'hôtellerie, les pensions de famille, etc. Et donc, si on veut comparer cela, on peut s'apercevoir que c'est moins que certains hôtels pris de manière individuelle dans certaines villes comme Las Vegas. Troisième point, les flux touristiques sont très inégalement répartis entre les différentes îles, les différents archipels de la Polynésie française. 95% des capacités hôtelières sont localisées dans l'archipel de la société, donc les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Waianae et Taha. Et certes, il peut exister quand même quelques sentiments de saturation dans certaines îles, comme Bora Bora, Moorea, voire l'atoll de Rangiroa, mais il existe tout de même de réelles capacités sous-exploitées à l'échelle globale de la Polynésie française. Et quatrième point, le produit touristique que l'on vend principalement à nos touristes, eh bien, il correspond à une forme de tourisme de luxe, voire de très haut de gamme. Deux tiers de nos hôtels sont classés 4 ou 5 étoiles. Donc le marché familial, le marché affinitaire, moyen et bas de gamme est ici très, très peu développé. Alors on entend notamment depuis quelques temps que le tourisme est un secteur qui contribue de manière drastique à la pollution, à la dégradation environnementale, voire au réchauffement climatique. Alors, il faut toujours avoir un point de comparaison. Le tourisme contribue, je le disais, à hauteur de 10% du PIB mondial et de l'emploi mondial. Et on sait qu'il contribue à hauteur environ de 9% des dégagements d'émissions de carbone à l'échelle mondiale. Donc on a un secteur qui a un poids économique très important et donc il a forcément aussi un impact sur le réchauffement climatique. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on a du mal à mesurer pour le tourisme, c'est que le tourisme, ça permet une meilleure connaissance des cultures, des identités, des environnements, des langues. Ça permet aussi une meilleure communication entre les personnes et entre les peuples. C'est un secteur économique certes vital, mais il est aussi, notamment à mes yeux, socialement nécessaire et bénéfique depuis, on le voit, 50, 70 ans. Il est bénéfique pour la paix dans le monde. Alors forcément, à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire et le Covid-19, il est à craindre quelques difficultés sur ce secteur vital pour la Polynésie française. Mais ces difficultés doivent bien nous faire prendre conscience qu'on doit s'adapter, notamment en termes d'offres, par rapport à notre tourisme local, qui est insuffisamment développé. Et deuxièmement, il importe pour moi de réfléchir à de nouvelles formes de voyage et de séjour, parce que notre éloignement, c'est un atout, mais c'est aussi un enjeu de taille. Et pour cela, la formation des jeunes et les initiatives d'innovation sont à soutenir très nécessairement. Les jeunes ont besoin d'un bon niveau de formation, ils ont besoin qu'on les encadre, ils ont besoin qu'on les aide, mais ils représentent aussi et surtout une source d'inspiration à l'innovation touristique qu'il faut entretenir pour notre avenir. Je vous souhaite à tous un très bon festival. Bonjour à tous, amis polynésiens. Et bien, dans cette île extraordinaire de beauté et de gentillesse, je vais vous interpréter une petite compile cubaine de ma composition. Voilà.
parler un petit peu tourisme dans la continuité de ce qu'évoquait Sylvain tout à l'heure. Et après ces belles généralités, merci encore Sylvain pour ta présentation, on va cette fois-ci s'attacher à des exemples très particuliers au sein du Fénois. Nous allons pouvoir accueillir Alexandrine Van, qui va nous en dire un petit peu plus sur comment faire du tourisme autrement ici en Polynésie française. Également Stéphanie Bates, qui va nous évoquer le travail incroyable et ancestral, même traditionnel, qui a fait qu'on a pu traverser cet océan, à savoir qu'on était nomades du vent et quid aujourd'hui des nouveaux nomades. Vous aurez aussi ensuite un chemin, on parcourra justement dans cette continuité de ce voyage océanique, on ira dans l'archipel des Marquises avec Kourou. Mais juste avant, on va faire un petit voyage avec Arnaud Jacob. Alors Arnaud, c'est simple, on le résume en deux mots, vélo et voyage. Deux V qu'il va nous faire découvrir puisqu'il va nous emmener sur une route extraordinaire, la route de la soie, à vélo. Arnaud, c'est à toi. Oui, Yolana, la Polynésie. Yolana. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de voyage à vélo que j'ai effectué à la fin de mes études avec un collègue de promotion. On venait tous les deux de sortir de promo et on s'est dit bah c'était l'occasion en fait avant de prendre un boulot stable de faire un grand voyage. J'ai toujours été passionné par le voyage à vélo, j'avais fait des voyages à vélo précédemment vers la Norvège, vers les Pays-Bas et vers la Turquie, et là bah l'occasion se présentait de prendre mon vélo et avec mon collègue de partir sur les routes de la soie. Et donc, on a commencé en mars 2012, donc en partant de notre région natale, qui est l'Alsace, et on a descendu le Rhône. Rapidement, on s'est retrouvé donc au col de l'Arche. À ce moment-là, on est descendu en Italie, on a fait tout le nord de l'Italie à vélo. L'idée d'un tel voyage, c'était en fait aussi d'aller au contact avec la population et profiter de notre autonomie pour on peut installer notre tente à des endroits un petit peu particuliers, exotiques. Donc à la fin de la journée, on pose notre tente un peu là où on peut. Des fois, on se fait accueillir par des gens. Donc en Italie, on s'est fait accueillir par une famille et puis on a continué notre route. Les pays s'enchaînent, donc en Croatie, Monténégro, Albanie, Macédoine, Grèce. Là, on arrive à Istanbul et on pénètre vraiment en Occident et puis on commence vraiment la route de la soie. On se rend compte que les chiffres qu'on apprend en turc, on va pouvoir les utiliser jusqu'en Chine en fait. Donc ça montre un petit peu l'étendue en fait de certaines civilisations à cette époque. Donc on apprend nos chiffres en turc pour pouvoir communiquer de manière basique avec les gens. Et on avance, on roule, on entre en Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Chine. Et là, en Chine, on passe de justesse avant l'hiver, donc qui est assez rude sur les plateaux tibétains. Et on arrive à peu près au milieu de la Chine, à Chengdu. Là, on a esquivé l'hiver et puis on commence à aller vers le sud de l'Asie. Donc, on pénètre au Laos. Laos, on suit le Mékong pour arriver jusqu'au Cambodge et puis après à rejoindre Bangkok. Là, à Bangkok, on rencontre un autre voyageur qui s'est retrouvé un petit peu par hasard aussi avec un vélo entre les mains suite à une donation d'un autre cyclotouriste. Et cette personne qui voulait faire quelques jours avec nous, qui voulait un petit peu faire partie de l'aventure pendant 2-3 jours. Au final, on a voyagé avec lui 6 mois et on a fait la plupart des pays d'Asie du Sud-Est à vélo. La plupart des pays, on les a traversés à vélo. Il y a néanmoins des pays comme la Birmanie, on n'a pas pu rentrer de manière terrestre sur le territoire. Mais voilà, on a quand même pris l'avion pour rejoindre la Birmanie. Et là, on vit un peu l'apogée de ce voyage avec une cyclotouriste canadienne, un cyclotouriste allemand qui circule avec nous à vélo sur les plateaux de Birmanie. Petit à petit, comme le voyage commence à se rapprocher de la fin, et ben tout le monde prend un peu sa route. On reste en contact, mais tout le monde veut faire un petit peu des choses différentes. Alors, il y a mon copain qui part en Australie. Moi, je passe un peu plus de temps en Asie du Sud-Est. Donc, je pars à Bornéo. Et de là, du sud de Bornéo à Pontianak, je prends un bateau qui durera 3 jours et qui m'amènera à Jakarta. À Jakarta, je fais tous les petits archipels de l'Indonésie. Donc, Java,
Bali, Timor, et finalement, bah, j'arrive au Timor oriental, donc c'est pays autonome. Et là, bah, je plonge ma tête dans le lagon, et je vois tous ces magnifiques poissons. Et là, je me dis, ben voilà, j'ai eu l'occasion quand même de découvrir le monde d'une manière assez particulière, en contact assez rapproché avec les gens. Ça m'a pas coûté grand-chose. Je garde un souvenir vraiment très très fort de cette aventure et j'espère la renouveler prochainement parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai plus trop réutilisé mon vélo pour des voyages. Voilà, donc je vous encourage, même si c'est difficile, parce, suivant avec la pente, avec la superficie des archipels qui est assez réduite, je vous encourage à prendre votre vélo et à partir sur les routes du Fénois et les routes du monde entier. Merci beaucoup Arnaud, quel beau voyage. On enchaîne tout de suite avec une enfant du Fénois qui, après ses études universitaires, eh bien, revient ici pour valoriser son pays. Je vous présente Alexandrine. Coucou Pascal, coucou tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci. Ça va, super, la connexion est bonne. Du coup, ben, en 5 minutes, je pense que c'est le challenge le plus difficile aujourd'hui de faire court, mais on va essayer. Du coup, un petit récapitulatif déjà de ben, pourquoi le tourisme. Ça a toujours été ma passion, donc je suis partie étudier tout ça et découvrir le monde dans cette industrie. Et arriver en fait au siège de gros groupes hôteliers où vraiment on voyait l'impact du tourisme dans le monde, notamment dans la zone où j'étais, c'était l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Vraiment, on se rendait compte que le tourisme avait un impact et n'avait pas forcément un impact positif, notamment au sens sur l'environnement et sur les cultures, la population indigène. Donc, je me suis orientée vers ça et arrivée aux Nations Unies, en fait, je me suis rendue compte que bon, il fallait d'abord changer, se sentir chez soi avant de vouloir changer le monde. Et c'est comme ça que je suis revenue, en fait, dans les îles pour essayer de changer un petit peu la vision qu'on a du tourisme ici en Polynésie. Donc, c'est vrai que, comme on en a beaucoup parlé, le tourisme jusqu'à présent, c'était beaucoup les lagons, les bungalows pilotis, les honeymooners. Donc vraiment une niche touristique qui était très bien définie. Et aujourd'hui, ça s'ouvre un peu plus sur cette nouvelle clientèle, cette nouvelle forme de voyager, en fait, qui s'oriente un peu plus sur quelque chose de plus authentique, de plus unique, de plus rapproché avec la population. Aujourd'hui, j'aime bien définir ça comme un luxe qui a été autrefois matériel, un luxe plus expérimentiel que les gens veulent découvrir. Donc voilà. Aujourd'hui, avec cette crise, ce coronavirus où l'OMT dit que voilà, il y aura une diminution de 20 à 30%. Oui, l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. C'est vrai que ça, il y a énormément de doutes, il y a pas mal de peur de ce qui va se passer demain, mais la Polynésie reste quand même un endroit et une destination qui est très connue et qui a énormément de capacités à refaire vivre cette industrie, mais notamment comment le faire. Donc je vais vous donner juste un petit exemple de ce que nous on fait. Donc depuis que je suis rentrée, j'ai ouvert mon agence de voyage qui s'appelle Nani Travels et en fait on est spécialisé dans le tourisme durable. Ce qui est vraiment différent de ce que la plupart des gens font, c'est qu'on a imposé en fait des règles d'or. En fait, on s'est inspiré des règles d'or des Nations Unies. On en a découlé 6 qui sont typiques à la Polynésie française et qu'on demande à nos touristes et aussi à nos prestataires avec qui on travaille de les respecter. Donc, ça va être par exemple protège ton lagon, réduite en empreinte carbone, etc., etc. Donc voilà, c'est des règles en fait qu'on impose limite aux touristes et aussi aux locaux afin de respecter des fonctions de travailler qui sont assez durables. Ensuite, on compense tous nos voyages, donc c'est-à-dire qu'on va calculer en fait tous nos transports, ça soit bateau, ça soit 4x4, que ça soit avion, surtout domestiquement, et on va les compenser en fait avec des projets, notamment ben, aujourd'hui on a décidé de compenser avec un projet en Afrique. Donc voilà, on a cette compensation carbone. Et puis, on va reverser à chaque fois 1% de notre chiffre d'affaires à des projets qu'on met en place, en fait, avec la population locale, avec des associations avec qui on va travailler, dont notre association, notamment la grosse baleine qu'on a créée avec les canettes qu'on a ramassées avec nos touristes. Et en fait, ça, c'est juste des exemples pour vous dire que voilà, le tourisme est un moteur quand même d'innovation et de tourisme durable en Polynésie. Et les Polynésiens adorent ça. Ça nous a pris un peu de temps à mettre en route, mais vraiment, on sent que les locaux sont enjoutés par tout ça. Donc voilà. Okay, merci beaucoup Alexandrine. Merci. On va passer avec Stéphanie Betz.
Stéphanie Vette est responsable d'une petite société qui est au confluent du tourisme et du nautisme, et c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de parler de nautisme et notamment de tout ce qui est en rapport avec la voile. Stéphanie. Yana Kaoranui. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de rêves, parce que pour moi, les rêves, c'est un peu comme des caps. Comme quand on est sur un bateau, on prend un cap. Et depuis 2 ans et demi, après avoir fait pendant 15 ans la Tahiti Paul Regatta, qu'on continuera, on rêvait d'une course au-delà de nos îles qui aille de Los Angeles à Tahiti. Donc on a mis toutes les voiles dehors, on a mis le cap sur une Transpac Tahiti qui devait prendre le départ le 28 mai de Los Angeles. On avait une participation qui était incroyable puisqu'on avait 15 grands bateaux de course qui étaient prévus de prendre la route et essayer de battre ce record pour faire ces 3500 milles, ça fait 6000 et quelques kilomètres. Le record à battre, c'était environ 11 jours. Donc, à cause du Covid, on ne la fera pas cette année. On la reporte à 2022 et on sera encore plus motivé, plus inspiré et on y arrivera, on la fera cette course. Mais en attendant, un de mes amis qui s'appelle Monsieur Loïc Perron, qui est un grand navigateur et qui est devenu amoureux de la Polynésie et des pirogues à voile et de tout notre patrimoine maritime, me dit, mais pourquoi on ne donnerait quand même pas le départ le 28 mai sur Virtual Regatta? C'est un jeu en ligne et on fait son bateau, on prend son cap, on prend des allures, on met les voiles qu'on veut et on va essayer donc de fédérer suffisamment de gens pour arriver à ne pas se laisser abattre par ce Covid-19, faire quand même cette course et arriver du coup à la relancer encore mieux en 2022 pour que, à Tahiti aussi et dans le Pacifique, on est une course au large, puisque la plupart des courses, c'est des transatlantiques ou des courses autour du monde par les pôles, mais rien dans notre bel océan, ce grand océan des Polynésiens. Donc, c'était ça notre objectif et on va essayer de le maintenir pour 2022 et pour cette année sur Virtual Regatta. Et puis, donc, ces gens, c'est des nomades du vent, comme tu dis, ces gens des bateaux. Et aujourd'hui, dans notre tourisme, ce tourisme nautique est un secteur qui est conséquent et qui aujourd'hui, avec cette crise, va l'être encore plus. Et je voulais profiter de ce petit moment avec vous pour saluer le travail qui a été fait par les îles qui accueillent ces bateaux, puisque ces gens étaient partis de Panama. On a une transhumance de voiliers qui viennent chaque année, qui partent des Galapagos, de Panama, et qui font la traversée du Pacifique. Et donc la Polynésie, c'est leur première escale. Et donc ils sont partis avant le confinement, avant toute cette crise, et ils sont arrivés aux Marquises, et là ils ont été vraiment très bien accueillis par les Marquisiens, qui a su gérer cette clientèle, ces touristes qui arrivaient d'ailleurs, un petit peu inquiétant au départ, puisqu'ils arrivent et ils pourraient être porteurs, et donc une fois qu'on a compris que 15 jours de mer, ben, ça faisait une quarantaine, on les a quand même laissés un peu en quarantaine aussi au mouillage, mais la population était là, leur amenait du poisson sur le bateau, des fruits. Et en échange, cette communauté des gens qui se retrouvaient sur des bateaux, et ils sont nombreux actuellement, on a plus de 150 bateaux aux Marquises, ils ont référencé les compétences qu'ils avaient à bord, le matériel qu'ils avaient à bord, et comment ils pourraient eux aussi aider cette population. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils le font. Et puis demain, ces nomades du vent, très vite, quand le confinement sera terminé, et qui seront de nouveau autorisés à naviguer, à sillonner nos archipels, ils vont être les derniers touristes qu'on aura pendant quelques temps jusqu'à ce que les lignes aériennes se réouvrent. Mais ces gens de bateau vont aller dans les îles et amener un petit peu de ressources et de revenus aux artisans, aux tatoueurs, aux prestataires d'activités, aux restaurateurs. Donc voilà, je voulais remercier la population de considérer ces nomades du vent comme une opportunité et non pas un danger. Pour finir, c'est de se dire que pendant cette période de crise, de se mettre à la cape. En bateau, on dit c'est les voiles et la barre à contre, ce qui permet que le bateau s'arrête et la tempête passe. Et on est juste porté par le courant. Et donc, se mettre à la cape, rester motivé, rester inspiré, et puis respirer jusqu'à ce que le monde redevienne un peu plus normal. Merci Stéphanie. Merci beaucoup pour ce message. On a compris que le 28 mai, on allait jouer sur Virtual Regatta. Voilà, on fait notre possible pour qu'on y arrive. Eh bien, Stéphanie nous a déjà un petit peu amené vers notre prochaine destination, puisqu'il s'agit effectivement de l'archipel des Marquises avec un enfant de la Terre des Hommes. En plus d'être un enfant de la Terre des Hommes, c'est aussi un ami. Donc, j'aimerais simplement lui donner la parole. Je vous laisse avec Kourou, qui va vous en dire un petit peu plus sur les belles expériences qu'il développe pour l'archipel des Marquises.
Kauhanui, Pascal, Kauhanui, Yautou, Kauhanui. Kauhanui, Tfenu Enata. Bonjour, voilà, donc je me présente Kourou Barsinas. Je suis né à Hivaoua, sur la terre des hommes, Yotfenu Enata. Et aujourd'hui, destination Marquise, respire. Respire, pourquoi ? Pour mettre en avant l'archipel auquel j'appartiens et dont je suis cofondateur de la start-up Destination Marquise. Beaucoup de gens que j'ai croisés depuis 2 ans me disent « Je rêve d'aller aux Marquises, mais j'arrive pas à m'organiser, c'est compliqué. » Et depuis 2 ans, ben, nous avons développé une plateforme numérique. Et cette plateforme numérique, en fait, elle vient aider à la fois tous ceux qui désirent découvrir les îles Marquises et en même temps apporter de la visibilité pour des acteurs importants de l'archipel des Marquises, des acteurs qui font vivre des milliers de familles. Donc, on va trouver des hébergements, des prestataires d'activités, des restaurateurs, mais on va trouver également des commerces, des artisans, des sculpteurs, des tatoueurs. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que nous nous sommes déplacés dans l'archipel. Nous avons été à la rencontre. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai rencontré des personnes formidables. Et ce soir, je voudrais les remercier de continuer à œuvrer pour notre culture. Et en même temps, Destination Marquise s'inspire également de la créativité. Voilà, on est des artisans, on va créer des événements, des expériences hors du commun. Il y a une expérience unique en Polynésie française, une expérience novateur. Nous l'avons appelée village d'accueil. Nous allons emmener des invités dans des petits villages marquisiens et ils vont apprendre à sculpter, ils vont apprendre à cuisiner, à planter, à danser, à parler marquisien en immersion dans des petits villages. Donc, c'est une rencontre, c'est un partage, un échange, tout simplement. Il y a également derrière cette expérience un projet communautaire. Donc, on va construire une pirogue traditionnelle, on va aménager des sentiers de randonnée. Et la dernière expérience, ça a été la création d'une maison marquisienne sur un site archéologique. Le village de Rapatoni le souhaitait depuis 3 ans. Et avec ses invités, ben, nous avons réussi à construire cette maison pour le village. Nous sommes également en réflexion actuellement, dû au confinement. Nous réfléchissons sur des expériences tournées vers la méditation, le bien-être, la connexion à la nature. Donc, il y a énormément de richesses aux Marquises. Donc, voilà, si des gens souhaitent, le confinement, quand tout va redevenir un petit peu normal, de ne pas hésiter à nous contacter parce que nous sommes là pour vous guider, pour vous accompagner. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que restons positifs, restons solidaires et restons unis. Vayenu yaoto pautu aohote ii. Soyons forts, aohote ii. Vayenu. Super. Kauranui Kourou, merci beaucoup. Merci encore à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde. Koutaunui, Bayenui Maruru. Merci.